Le 28 mars, les écoles de Kattenholm et Zentich, comme toutes les écoles du département, ont participé à l'action franco-allemande initiée par le conseil départemental de Moselle intitulée « Fête de l'Allemand ». Du saucisson. Du saucisson, ça c'est quoi ? Moi j'aime du saucisson. Quatrième édition où de très nombreuses écoles primaires et collèges participent en Moselle pour promouvoir la langue allemande. Au niveau culturel, c'est indiscutable car les petits, les moyens et les grandes sections sont immergés dans les habitudes de nos voisins. Cette année, nous avons suivi l'école maternelle Victor Hugo. Et c'est dès l'arrivée à l'école que les enfants ont revêti un t-shirt noir, rouge ou jaune afin d'être aux couleurs du drapeau allemand. L'école était bien décorée avec des ballons et des drapeaux afin de célébrer cette journée si spéciale. Les jeux et les activités de la journée se veulent proches de celles d'une école maternelle allemande, Kindergarten. Les couleurs d'un drapeau, c'est important de faire attention à l'ordre. Pour le drapeau français, on lit bleu, blanc, rouge. De la gauche vers la droite, comme quoi ? Comme l'écriture. Les enfants ont commencé par étudier le placement des couleurs exactes sur le drapeau par une démonstration très concrète. Maintenant, noir, rouge, jaune. On est vraiment le drapeau de l'Allemagne. Super! Une fois les mains lavées, ce fut l'heure de préparer les différents mets de l'autre côté de la frontière. Les Weinwürst, bretzel, saucisson, yaourt à la vanille avec des céréales, d'être préparés par les enfants avec la maîtresse, les Atsem et une intervenante d'allemand bien sûr. Par la suite, les grands ont reçu un cadeau pour cette occasion. Et Céline m'a envoyé un petit message pour vous dire qu'elle est allée exprès pour chercher des choses en allemand et elle nous a trouvé... Qu'est-ce que c'est ? Un livre de cuisine allemande. L'apprentissage de la langue du voisin, ce n'est pas que de la linguistique. Quoi de mieux que de faire des recettes de gâteaux en apprenant une autre langue, une autre culture, une ouverture d'esprit ? Le fameux moment tant attendu par les enfants arriva. Aller chercher à manger pour tester, goûter, apprécier ce que chaque élève avait préparé. Une découverte pour certains, une réticence pour d'autres, de manger de la saucisse, du jambon ou de la dinde dès le matin. Chaque enfant en est ressorti avec une belle expérience et une culture approfondie de nos voisins allemands. Eine für dich.